Wesh les frérots, c'est Neyo. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, voilà, sur Planète PVP les frères. Je vais vous laisser directement avec les séquences PVP. Voilà, donc en gros on va faire tout simplement 4 duels pour que je vous montre un petit peu les knockbacks, les dégâts du serveur. Et juste ensuite on présentera directement le serveur. Bref, moi je vais vous laisser directement. N'oubliez pas que le serveur il ouvre ce samedi 22 à 16h. Je vous laisse avec le PVP et on fera ensuite la présentation. Bonne vidéo les frères, c'était Neyo, salam. Ok les gars, let's go. Du coup on est directement parti comme vous l'aurez vu dans la présentation. Enfin dans la petite intro, la présentation on la fera tout simplement après. Mais du coup les gars, on est parti là. Je combats tout simplement l'administrateur pour 68€ les gars. Voilà, donc c'est pour savoir tout simplement si je vous ferai gagner tout simplement le meilleur grade à 70€ dans cette vidéo. Du coup voilà, le premier à 3, le premier qui a 3, du coup si moi j'ai 3, je peux tout simplement vous faire gagner le meilleur grade à 70 balles. Du coup les gars, c'est plutôt nice pour vous. En soi ça change rien de gagner, mais je vais quand même essayer de gagner pour vous faire gagner le meilleur grade. Quand même c'est le minimum pour vous les gars, je suis quand même quelqu'un de nice, tu vois, quand même quelqu'un de handy. Hop les gars, 1-0 pour moi. Puis bon, on se retrouve directement pour la prochaine manche. Et vous voyez que le PVP est vraiment clean, de toute façon j'expliquerai 2-3 trucs dans les prochaines manches. Et du coup 1-0 les gars, premier à 3-0, simplement pour gagner le meilleur grade du serveur. Ok les gars, on est parti directement pour la deuxième manche, let's go. Comme vous voyez les gars, le PVP il est vraiment clean. Bon, comme je l'expliquerai tout à l'heure dans la présentation, donc juste après les petits duels, c'est quand même un serveur qui date, hein. On est sur un serveur de 2018 je crois, donc il y a déjà 3 ans. Donc ouais, ils ont quand même de l'expérience, ils ont un PVP vraiment vachement clean comme vous le voyez les gars. No fake, là je kiffe PVP dessus, genre le PVP il est vraiment clean. En vrai, Triton Nomi il est pas dégueu, genre il sait se battre, mais bon là il y a 2-0 pour moi les gars. Le PVP est clean, what the fuck, genre la vie de ma mère je kiffe. Du coup là il y a 2-0 les gars et encore une manche simplement pour que je fasse gagner le meilleur grade, hein. Let's go hein. Let's go les gars, bon il a dit BO5 parce que bon là c'est un peu trop rapide. Vas-y, t'es un pro PV player aussi. Mais non les gars, mais non, c'est juste que je vous fais des vidéos PVP assez souvent quoi, donc forcément. Mais bon. Les gars, cette semaine, comme vous allez le voir, il y aura vraiment énormément de vidéos. Je crois qu'en 7 jours les gars, vu que bah j'ai le... Ah je vais pas vous le dire, je vous en ferai une vidéo, ça sera un titre d'une vidéo, tiens. Ça sera un titre d'une vidéo les gars. Mais bref, en tout cas je suis à la case quoi, donc je suis à la maison. Donc je vous ferai 8 vidéos les gars en 7 jours. Ça veut dire qu'il y aura une vidéo, enfin 2 vidéos en un jour. Je crois que ça sera samedi. Je vais vous faire ça. On va le heal, Miskin, on l'a cessé pendant qu'il était dans le coin le pauvre. Du coup let's go les gars. Mais du coup cette semaine les gars, voilà, j'annonce, il y aura 8 vidéos, donc truc de fou. Ça sera samedi, je pense que j'en sortirai 2. Et sinon bah c'est une par jour comme vous avez l'habitude. Et puis de temps en temps je ferai des lives. A voir aussi les gars, fonction de combien de temps je dois encore rester chez moi. Mais il y a moyen que je vous fasse un live en mode genre 12h ou un truc comme ça. Ou alors j'ai eu aussi une idée, mais est-ce que j'ai des abonnés qui seraient forcément prêts à donner, voilà, donc ça serait pour m'encourager entre guillemets. Genre en mode je lance un live, tu vois, je mets 3h de base. Ou alors 2h de base. Et en gros à chaque don par exemple de 5€, et bah à chaque don par exemple de 5€, et bah tout simplement je rajoute genre par exemple 30 minutes de live. Et donc en fait ça fait que le live il peut tout simplement s'arrêter au bout de 3h si personne ne paye, enfin si personne ne me fait de don du moins, parce que payer ça fait vraiment bizarre, genre de dire de payer pour qu'un mec reste en live. C'est juste pour m'aider, tu vois, genre pour me soutenir dans ma chaîne, etc. Mais genre ça peut être stylé en fait, je pense. Le truc c'est, est-ce que des gens seraient forcément prêts à payer pour me voir rester en live? Je pense pas, je pense que j'ai pas une assez grosse communauté. Mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Enfin moi je pense que ça peut être intéressant. Genre même si au pire des cas, personne donne d'argent et ça c'est pas hyper grave, et ben on fait un live de 3h. Mais genre voilà, en fait j'aime bien le concept, je fais même pas forcément ça pour l'argent, juste j'aime bien le concept, tu vois. Bon là il y a 3-0 les gars, on se retrouve directement pour la prochaine manche. Et puis après en vrai on va faire un BO4, comme ça après je vous ferai directement la présentation du serveur. Voilà voilà. Ok les gars, on est parti directement pour la dernière manche, hein, je pense. Même si je perds, je négocierai pour vous faire gagner le grade. Du coup voilà les gars, pour participer c'est très simple, tu t'abonnes, tu likes et tu commentes avec ton pseudo. Et tu t'abonnes avec la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos. Voilà, il y a moyen que je fasse des vidéos à l'ouverture de ce serveur public, on verra bien. Au pire des cas, s'il n'y a pas de vidéo sur le serveur, je vous ferai le résultat en commentaire épinglé au bout d'une semaine les gars. Vous inquiétez pas. Mais du coup les gars, on va quand même le tryhard pour que ça se finisse assez vite. Et comme ça juste après je vous présente directement le serveur. Et le PVP est vraiment clean, hein. Par contre peut-être d'homme je kiffe les gars, le PVP vide ma mère. Avec une road ou quoi en Warzone, ça doit être le feu, hein. Peut-être d'homme. Bête de PVP. Du coup voilà, pour l'idée du sub-bâton les gars, si je fais un truc je le ferai bien, hein, c'est à dire que je commanderai une affiche etc.
pour qu'on voit par exemple. En fait, ce qui est bien, c'est que ça, c'est, ce qui est bien, c'est de le faire sur Twitch en fait de base avec les beats et les subs. Mais là, on le fera directement avec des dons, je pense en vrai. Si je veux le faire sur YouTube, faut que je le fasse avec des dons. Le truc, c'est que j'ai pas une communauté Twitch en fait, donc je peux pas me permettre de le faire sur Twitch. Mais pourquoi pas le faire en live YouTube ou quoi tout simplement directement le faire avec des dons. Je sais pas en vrai les gars, ça, pour moi ça peut être intéressant. Après à voir si vous êtes chaud. De toute façon je ferai un sondage je pense YouTube pour voir. Parce que après c'est sûr que les gars je pourrais totalement comprendre que vous seriez pas prêt à donner forcément de l'argent. Parce que bon c'est sûr je suis pas Ballistide, je suis pas Coleman le Grand, je suis Neyo quoi. Donc forcément je peux comprendre que les gens ils s'en battent un peu la race de moi. Donc bref, on verra. Attends, bah, le hit parce que ça va pas hit. Je crois qu'il est noïde les gars. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait plus beaucoup de hit. Mais bon, en vrai, je pense que c'est une idée qui peut se faire. Et au pire des cas, il n'y a pas de bon, c'est pas grave. Genre, c'est pas la mort, hein, les gars. Comme vous le savez et comme je vous le répète souvent, rien que le fait de regarder mes vidéos, les gars, c'est comme si vous faisiez un don en fait. Parce que c'est grâce à ça que je peux me faire un petit billet. Et ce qui me permet d'avoir déjà pas mal d'argent et d'être assez indépendant en image. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir rien que déjà que vous regardez toutes mes vidéos quoi. Voilà, bien joué à lui les gars, on a fait 4-0 tout simplement. Et puis bah du coup bah moi je vous fais gagner le meilleur grade du serveur. Let's fucking go, il coûte 70€ quand même, c'est énorme les gars. Du coup voilà, bah moi on passe directement à la présentation les potes, à tout de suite. Ok les frérots, du coup on se retrouve directement pour la présentation du serveur. Voilà, après tout simplement le petit PVP qu'on a pu faire en début de vidéo pour montrer un petit peu les knockbacks etc. Parce que bah, je sais que j'ai quand même une communauté assez orientée sur le PVP tout simplement. Du coup j'ai préféré vous montrer un petit peu le PVP avant tout simplement le serveur. Du coup voilà les gars, ce serveur ouvre tout simplement ce samedi 22 à 16h. Voilà, donc n'hésitez pas à venir à l'ouverture. Voilà, comme vous l'avez vu du coup dans les PVP qu'on a pu faire juste avant, il y a tout simplement le meilleur grade du serveur qui équivaut tout simplement à 70€ à gagner. Voilà, donc ça fait vraiment très plaisir. Voilà, 70€ les gars, c'est pas rien. Du coup n'hésitez pas à participer tout simplement avec votre pseudo, simplement en commentaire, mettre un like sur cette vidéo et tout simplement vous abonner avec la cloche de notification. Tout ça sera tout simplement vérifié. Planète PVP tout simplement qui est un serveur PVP Faction Farm to Win depuis 3 ans. Voilà, donc ils ont déjà fait 600 co à la version dernière. Voilà, donc c'était quand même énorme. Tout d'abord une des grosses nouveautés tout simplement le Warp Duel, où on pourrait faire tout simplement des 1v1, 2v2, 3v3 et aussi des tournois automatiques. Donc c'est là où on a fait tout simplement un fight contre le fondateur. Et du coup il y aura tout simplement un cash prize en point boutique toutes les semaines pour ceux qui ont fait le plus de victoires, etc. etc. Du coup, on a tout simplement un slash aid. Voilà, donc avec le tutoriel, le règlement basique, les commandes ultimes, etc. etc. Sans oublier tout simplement les objets régulés, le truc business, on en parlera tout simplement après. Les blocs limités par chunk, les modérations high tech, les résistances, les factions, etc. etc. Donc, on a tout simplement un slash menu. Voilà, donc que moi je survole, mais que vous pourrez tout simplement regarder in-game directement. On a tout simplement un moyen de se faire de l'argent sur le serveur, c'est tout simplement le slash business. Voilà, donc on a des quêtes, des métiers, des commerces, l'hôtel de vente, l'investissement, la boutique, donc on peut simplement voter pour avoir de l'argent, le V-Shop, le minage et les coin flips. On a tout simplement le Farm to Win, voilà, donc qui est la boutique tout simplement 100% achetable in-game. Voilà, donc on pourra tout acheter in-game grâce au slash Farm to Win. Voilà, donc les grades qui sont achetables avec de la vraie argent IRL seront tout simplement achetables avec de l'argent in-game, hein. Vous êtes pas teubés les frères. Vous pourrez simplement tout acheter, hein, les grades, les atouts, les objets et les kits. Donc là les gars, on est tout simplement au Warp PNJ. Voilà, donc avec une économie tout simplement basée sur l'émeraude. Émeraude qu'on peut tout simplement récupérer au Warp Mine, ou tout simplement récupérer dans les bots ou les récompenses ou bien les loot box. Il y a tout simplement plus de 10 events sur le serveur. Voilà, donc vous pouvez simplement... Il y a simplement plus d'une dizaine d'events sur le serveur. Donc vous faites slash event, il y a l'event KOTH, largage, session farming, votre partie, réaction, lootbox, totem, etc. etc. On a tout simplement un classement, voilà, donc un classement séparé pour les factions qui veulent farmer ou bien les factions qui veulent PVP. Voilà, donc on a aussi un classement des deux. Et on a tout simplement un warp, voilà, donc avec le minage, zone PNJ, caisse, invest, téléportation aléatoire, nord, domination, nexus, totem et KOTH. Pour tous ceux qui s'intéresseraient de voir un petit peu à quoi ressemblent les events. Bref les gars, c'est déjà la fin de la présentation. Voilà, donc comme vous l'avez vu, elle était vraiment assez rapide. C'est pour ça que je vous ai mis tout simplement le PVP avant. Bien évidemment il y a encore plein d'ajouts sur le serveur, j'ai pas pu tout vous présenter, je vous ai présenté la majorité tout simplement pour pas que ça vous casse trop la tête. Bref, n'oubliez pas de participer au concours pour le grade qui est tout simplement à 70€, voilà, d'une valeur de 70€, ce qui est quand même pas mal. Et n'hésitez pas à venir à l'ouverture ce samedi 22 à 16h. Bref les gars, l'IP c'est play.planetpvp.fr. Je vous laisse, c'était Neyo, bisous les frères.